Eh, t'as déjà ressenti cette sensation d'être comme possédé? Tu fais du mal, alors que t'en as pas envie. Tu t'en rends compte? Mais nique sa mère, la vie elle continue. Tu connais ça, hein? Tu connais ça, hein? Tu connais ça, hein? Moi, c'était en pleine période de déchoir, de pêche au moule mou. Je lâche un méchant, mais l'imélo à cet ange aussi joli bout. Et voilà que je me retrouve. Le souffle coupé par une sorte de coup de foot. J'ai rien à foutre qu'elle souffle. Je veux l'avoir gavé de mon foutre, donc d'un feu d'artifice. Promets d'être père de tous ses fils. C'est parce que sous, je décapsule un par un tous ses orifices. Et puis je m'arrache, le temps de pisser, de renfiler mon tikis. C'est l'histoire cocasse d'une fille neuve repartie d'occasion. Du foot avec l'humeur dans les crampons. Quand j'ai vu cette jolie blonde, je me suis dit, Doom, c'est les grands temps, vas-y fonce. En passant, je lui dis bonjour, t'aurais pas un numéro, je joue au foot, je suis libéraux. Un petit sourire. Puis j'ai sorti mon phone tel, je lui ai dit en stèle. Puis à mon pote, viens en stèle, 5 mois de disquette. Puis on m'a vu avec une telle bombe et j'avais pas de teinture blonde, seul artifice à turban. Une paire de bitume dans le costelat de cure-dents. En clair, y'avait pas de quoi soulever même une petite grosse. Ça sentait le bourbier, l'arnaque comme Julien Courbet. Je prends pas le risque de me courber, finir avec des courbats, tu ou même des coups bas. Des coups de latte quand elle s'est pris des coups tard. Pendant que j'avais des coups de barre, putain. Encore une péripatéticienne, genre petite à ses petites chiennes sur Dolimadine Chétan. On m'appelle Air ma calamité. D'habitude là rend la matière. J'ai de gratter l'amitié. Les soirs là dans les beaux quartiers, je fiche à ce type fâché pour rien. Retourne d'où tu viens Mathilde. Mais à la base je suis terrien. Qui perd rien pour attendre le temps. Son gabarit j'évalue. Et le type finit à terre. Des bris de verre plein cuir chevelu. Pour l'évolution il aurait fallu m'inventer. Si j'existais pas, on fallait pas l'inviter. Un coup de fil je fous mes grolles. Et c'est parti pour ma street. Va voir le chétan à domicile. Fumer sur compte de mon stress. Mon premier RDV remonte à 2001 depuis ma démolie. Je voudrais m'en démêler. C'est qu'après louange que je dis mon lot, j'ai du mal à décrocher. Le doc dit que je suis malade. Décrocher, si le chétan m'appelle, dites-lui que je suis pas là. Ce foutu bout de shit, donne à ma vie un goût de shot, un goût de chasse, un goût de shit inutile comme un bout de chèque. Au paradis, tu accéderas avec aisance. Il perdra ton organe et jouera aux échecs avec des anges. Lui finira en sexe, en procréation. Alcool, plaisir intéressé, privé de récréation. On dit qu'à travers l'homme il est viable. Mais est-il fiable d'accepter un tête-à-tête avec le diable? Actuellement sur ton épaule il fait son comeback. Et le pire c'est que demain tu te lèveras comme d'hab.